التحاقنا بالمعهد الملكي ونحن نستفيد بدروس بمجز بين المجالات التطبيقية وكذلك النظرية بالمعهد الملكي للشرطة، حيث نتلقى مجموعة من الدروس الخاصة لحقوق الإنسان، وذلك لتكوين شرطة مواطنة تحترم وتراعي لكل في تدخلاتها لحقوق الإنسان واحترام واجباتها. حيث نقوم في المعهد الملكي للشرطة وكذلك جميع المدارس التابعة له بتكوين خاص في هذه المنظومة، كما خولتنا الفرصة الحضور لهذه الندوة الدولية لحقوق الإنسان لتكريس مديرية العامة للأمن الوطني احتراما لجميع حقوق الإنسان. Nous sommes là dans le cadre de la formation spécifique ou une formation de perfectionnement. Nous sommes des policiers guinéens, on vient de la Guinée-Conakry effectivement. On est au nombre de 60 ici, auquel on a 30 inspecteurs et 30 commissaires. On est là, il y a 3 semaines, dans le cadre d'une formation de renforcement des capacités afin de pouvoir mieux servir le pays plutôt. Mais cela nous a permis d'avoir beaucoup plus d'occasions pour participer à cette cérémonie internationale qui concerne le droit de l'homme plus précisément. Donc franchement parlant, j'avoue que c'est quelque chose qui est du bien, qui est très bon. Et d'ailleurs, j'encourage beaucoup plus les acteurs afin de continuer à mener cette campagne pour permettre à des pays qui n'ont pas encore développé ou qui n'ont pas encore la notion du droit de l'homme d'installer ou de financer afin d'éviter complètement la torture des prisonniers ou bien des personnes détenues, etc. Vraiment, ça a été un sentiment de satisfaction pour nous de pouvoir, prendre part à cette cérémonie internationale. ما تنساوش تابوناو في قناة أشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور.